Dames en heren, van harte welkom op dit webinar van het Belgisch Financieel Forum. Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bienvenu pour le webinar d'aujourd'hui sur la mobilisation des excédents d'épargne pour la relance de l'économie. On est très nombreux aujourd'hui, plus de 1000 personnes se sont enregistrées pour ce webinar. Mesdames et messieurs, si on parle du thème d'aujourd'hui, on peut regarder deux aspects. D'un côté, il y a la question si oui ou non, il y a assez de moyens d'épargne disponibles dans notre pays. De l'autre côté, on peut regarder le volume et la nature des investissements. Dames en heren, wat het eerste aspect betreft, kunnen we stellen dat België altijd een land geweest is met zeer ruime spaaroverschotten voor particulieren en relatief grote overheidstekorten als tegenpost. Illustratief kunnen we stellen dat tijdens de periode van lockdown de spaarquote zelfs historische hoogtes bereikt heeft. Anderzijds is het zo dat niet kan gezegd worden dat in België het niveau van de investeringen zich op een bijzonder hoog peil bevindt. De vraag is niet alleen wat het niveau van de investeringen is, maar ook wel welke soort investeringen gedaan worden en op welke manier dat zij al of niet toekomstgericht zijn. Mesdames et messieurs, je n'ai pas l'intention d'explorer le sujet plus loin de ce webinar. Non seulement notre programme est fort chargé et le temps sera vite passé, mais le plus important, c'est que je peux vous présenter quatre orateurs qui peuvent traiter le sujet à partir de divers angles d'attaque. Als eerste spreker zal ik straks het woord geven aan Geert Gielis. Geert Gielis is directeur economie bij Febelfin. En het is evident dat financiële instellingen een grote rol spelen bij het verzamelen, het mobiliseren van spaargelden. Ik ben ervan overtuigd dat hij met ons een tour d'horizon zal maken betreffende dit onderwerp. Comme deuxième orateur, je peux vous présenter professeur Georges Hupner de HEC Liège. Ceux entre nous qui ont suivi la presse ont déjà vu passer des articles de la part du professeur Hupner. Des idées dans lesquelles il peut ventiler ses idées sur la mobilisation des excédents d'épargne en Belgique. Nous sommes très heureux qu'il veut partager avec nous ses idées maintenant. De derde bijdrage, dames en heren, die komt van de zijde van de beleggers. Wij vonden dat de zijde van de beleggers absoluut moest aanwezig zijn in dit debat. Diegenen die al heel wat kilometers op de teller hebben, betekent nog altijd de wet Koreman de Klerk iets van betekenis. We hebben gevraagd aan Ben Granier, de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Federatie van Beleggers, om dit thema te behandelen vanuit het oogpunt van de beleggers. Pour terminer, mesdames et messieurs, on ne peut pas traiter le sujet sans formuler une opinion de la part des entreprises. Pour les entreprises, c'est important qu'il y ait assez de moyens disponibles. Mais je suis sûr que Edward Roosens, qui est le chief économiste de la Fédération des entreprises de Belgique, a des idées sur l'orientation préférée des investissements pour stimuler la relance en Belgique. Mesdames et messieurs, avant de commencer, j'ai encore deux informations pratiques à partager. D'abord, ce webinar sera enregistré et mis à votre disposition sur notre site web. En deuxième lieu, pendant toute la durée du webinar, c'est possible d'introduire des questions via la fonction chat de Microsoft Teams. Après la conférence, on va faire une sélection des questions qui sont entrées pour les présenter aux orateurs. Dames en heren, tijdens de ganse duur van het webinar kan u vragen insturen via de chatfunctie van Microsoft Teams. Na de conferentie zullen wij een selectie van de vragen voorleggen aan de sprekers. Dames en heren, ik wens u een zeer interessant webinar en ik geef nu graag het woord aan Geert Gielis van Febelfin. Alsjeblieft, Geert, aan u het woord. Bedankt, Mark. Welkom iedereen bij het webinar. Ik heb de eer om dit webinar af te trappen. En ik heb als titel gekozen eigenlijk het eeuwige spaaroverschot. En Mark heeft er net ook al naar gerefereerd. Men spreekt in België al lang over dat gigantische spaaroverschot. Nu, ik ben er iets minder van overtuigd dat spaaroverschot er effectief eeuwig is en ook altijd zo zal zijn. Het lijkt soms een beetje meer op het monster van Loch Ness. Je mag eeuwig dus eerder als een soort van ironische bijklank erbij plakken. Wat mag je van mij verwachten? Een drietal zaken. Ik ga eerst eens kijken, dat spaaroverschot, bestaat dat er echt? En daarvoor ga je kijken naar wat doen de banken, wat doen spaarders? Ben Garanier gaat daar later nog verder op ingaan op wat spaarders precies gaan doen.
Ik ga dan ook dat gedrag van die banken en die spaarders een beetje confronteren met wat je in de economie ziet en kijken of daar mismatches bestaan. Is alles mooi op elkaar afgesteld of niet? En dan als derde zaak, van ja, als de zaken niet mooi op elkaar zijn afgesteld, kan je er dan iets aan doen om eigenlijk de economie beter te gaan financieren dan we momenteel eigenlijk doen. Voilà. Waar gaat het niet over? Dat is over dit. Het gaat over macro-economische boekhoudrelaties. Mark had er al naar gerefereerd. Belgen sparen ontzettend veel en we hebben dat nodig om onze overheidsschuld eigenlijk te kunnen compenseren. Dat klopt vanuit een macro-economisch boekhoudperspectief, maar dat is niet waar ik het eigenlijk over wil hebben. Ik wil het eigenlijk hebben over meer meso- of micro-economische zaken. Over deze zaken. Hoe financier je de economie en hoe gebeurt dat eigenlijk? Ik heb hier gewoon een kort diagram getekend, heel abstract, veel details weggelaten. Maar het begint eigenlijk bij het sparen van gewoon de burger, de gewone Belg die zijn geld spaart. En met dat sparen kan hij twee zaken doen. Hij kan het ofwel naar de bank brengen, en dat is de pijl die naar boven gaat. Bij de bank plaatsen dat geld als een deposito, dat komt dan op de liability-zijde van de bank terecht. Eigenlijk is dat een verplichting die de bank heeft om het terug te betalen. En met die deposito kan de bank dan kredieten geven, krediet waarmee je dan uiteindelijk de economie gaat financieren, omdat je er investeringen mee financiert, woningbouw mee financiert en dat soort zaken. Tweede zaak dat een spaarder kan doen, is niet naar de bank gaan, maar zelf rechtstreeks obligaties of aandelen kopen. En wanneer hij dat doet, dan ja, financiert hij de economie rechtstreeks via de kapitaalmarkten. Dus als je ziet, ik heb eigenlijk rond die kapitaalmarkten ook nog een stippenlijn getrokken, omdat de banken ook heel actief zijn in dit kanaliseren van spaargeld richting economie, richting met behulp van de kapitaalmarkt eigenlijk. Banken brengen bedrijven naar de beurs, geven obligaties uit voor bedrijven en zij plaatsen die ook gedeeltelijk bij hun eigen cliënteel. Dus banken zijn daar eigenlijk ook actief in. Nu, bij die kapitaalmarkten moet je toch ook een bedenking maken. Zeker als we over de beurs spreken, je hebt er twee types. Je hebt de primaire markt en je hebt de secundaire markt. Het is maar in de primaire markt dat je economie effectief direct gefinancierd wordt. Dan gaat het geld rechtstreeks naar het bedrijf dat het geld nodig heeft om een investering te kunnen doen. Wanneer je gewoon aan bestaande aandelen koopt of bestaande obligaties koopt op een beurs of van een andere investeerder, dan werk je op de secundaire markt en wat je dan eigenlijk brengt is liquiditeit naar die markt. Nu, je mag die secundaire markt absoluut niet verfoeien, want die is volledig noodzakelijk om die primaire markt te kunnen laten bestaan. Zonder liquiditeit via de secundaire markt ga je maar heel, heel weinig kunnen plaatsen in de primaire markt. Dus beide zijn nodig. Eén ding wil ik hier nog eigenlijk bij vertellen, en Mark had daar daarnet ook al naar verwezen. De Belgen sparen altijd ontzettend veel. Wel, ook dat is een verhaal, eerlijk gezegd, een beetje uit het verleden. Als je gaat kijken naar de Belgische spaarquote, en effectief nu onder corona is die geweldig opgetikt, maar maak even een abstractie van corona, dan zitten wij maar op het gemiddelde niveau van Europa. Voor 2010 zaten we echt bij de top, spaarden wij net zoals de Duitsers, maar sinds 2010 is dat systematisch afgekalfd, sparen wij eigenlijk een stuk minder van ons beschikbaar inkomen. En landen zoals Frankrijk, Nederland en ook Zweden sparen eigenlijk een stuk meer dan de Belgen tegenwoordig. Bon, dat is al een eerste zaak. Dus dat spaaroverschot, het sparen, we doen het eigenlijk iets minder. Laten we eens kijken naar echt die banken. We hadden gezegd, je hebt kredieten, je hebt deposito's dat financieren. Dus de makkelijkste manier om te kijken of het spaargeld goed geactiveerd wordt via de banksector, is te gaan kijken naar alle deposito's die binnenkomen en kijken of je met al die deposito's echt heel veel kredieten kan gaan financieren. Dat zie je eigenlijk in die linker grafiek staan. De rode lijn geeft alle deposito's weer en dat zijn er werkelijk alle deposito's, ook zichtrekenings daarin. De gele lijn geeft de kredieten weer. En je ziet dat de depositolijn een stuk hoger ligt, op een bepaald moment zelfs meer dan 100 miljard hoger ligt dan de kredietlijn. Dus hieruit zou je kunnen zeggen van banken effectief activeren dat spaargeld onvoldoende via kredieten. Nu, eigenlijk is die redenering verkeerd, omdat als je naar de liability-zijde, de funding-zijde van banken gaat kijken, dan moet je toch wel rekening houden met een aantal elementen. Een hele hoop elementen hebben te maken met regelgeving. Banken mogen niet alle cash die ze binnenkrijgen effectief omzetten in kredieten. Wij hebben liquiditeitsratio's, LCR, NSFR, ook via de SRB, MREL, regels zijn er binnengekomen. Die maken dat die fundingmix en waar banken hun funding voor mogen gebruiken, dat op bepaalde momenten toch wel sterk beperkt wordt. Een tweede element dat daar een grote rol speelt, heeft te maken met voorzichtigheidsprincipes. Zoals ik zei, in de deposito's zitten ook zichtdeposito's in, lopende rekeningen. En die lopende rekeningen, die zichtdeposito's, kunnen ontzettend snel weggaan. Wil je, met andere woorden, met geld dat op een zichtrekening staat, hypotheeklening op 20 of 25 jaar gaan financieren? Misschien is dat niet heel veilig en misschien moet je de zichtrekening eigenlijk ook maar gedeeltelijk gebruiken of er gewoon eens aftrekken van je totale depositobasis.
En ik heb dat ook eens gedaan. En dat is de blauwe lijn. De blauwe lijn geeft je totale deposito's weer, waar ik alle zicht en lopende rekeningen van heb afgetrokken. En dan zie je dat die blauwe lijn systematisch onder de kredietlijn ligt. Dus als je met stabiele depositobasis werkt, dan activeren banken waarschijnlijk het spaargeld ontzettend goed in de economie. Nu, de vraag is hoeveel moet je van die zichtrekening gebruiken om krediet te geven? Niet heel duidelijk. Dus deposito versus krediet geeft eigenlijk niet echt een goed zicht op het spaaroverschot dat beschikbaar is om echt kredieten te gaan geven. Er is eigenlijk een veel betere maatstaf en die noemen ze de excess reserves. Wat zijn die excess reserves? Wel, banken zijn verplicht om de excess cash, de cash die ze niet gebruiken, 's avonds terug bij de ECB te gaan plaatsen. Dat noemt men de excess reserves die men daar gaat plaatsen. En je kan die volgen. De ECB publiceert die statistieken, je kan die gaan opzoeken. En wat je ziet, dat zie je hier staan op de grafiek aan de linkerzijde. De bedragen zijn in miljarden euro. Het begint in 2016 en je ziet van 2016 tot eind 2019 ligt die lijn rond de 12 miljard en stijgt lichtjes naar 20. Heel de banksector. Maar 12 miljard, als je dat uitzet ten overstaan van het totale kredietportefeuille, is het eigenlijk maar een heel klein percentage. En waarschijnlijk dient dit percentage als een soort van veiligheidsmarge. Je wil niet alle cash die je mag gebruiken, ook effectief gebruiken, want er zijn onvoorziene omstandigheden. En je wil daar toch die veiligheidsmarge gaan inbouwen. Maar dan krijg je COVID. En dan zie je dat COVID, die excess reserves, die stijgen. En we zitten momenteel ergens rond de 110 miljard aan excess reserves die door de banksector elke avond bij de ECB worden geplaatst. Er is dus heel duidelijk een 2020-effect. En dat 2020-effect komt gewoon door een toevloed aan deposito's die we dit jaar gezien hebben. We hebben dus heel veel werkmiddelen bijgekregen, maar ook door een daling van de investeringsvraag. Er is minder vraag naar kredieten, of de vraag naar kredieten stijgt veel minder snel dan voordien, en omwille van de economische crisis. En we zien ook dat bedrijven de kredieten die ze toegekend hebben gekregen niet volledig gaan opnemen. Dat ze eigenlijk minder gaan opnemen dan in het verleden. We blijven daar dus zitten eigenlijk met een overschot. Nu, voor banken is dat helemaal geen ideale situatie, want wij betalen strafrente op die excess reserves ten behoeve van 50 basispunten op een deel van die excess reserves. En als je dat uitrekent, en ik heb dat een paar weken geleden eens gedaan, dan kom je toch tot wel een betaling op jaarbasis van iets van 150 miljoen. Voor heel de sector. 150 miljoen kan misschien weinig lijken als je de orde van grootte beziet van de kredieten, maar uiteindelijk maakt dat toch tussen de 4 en 5% van je netto winst van vorig jaar uit. Dus banken hebben dit niet graag. Wat kan je er globaal uit concluderen? Dus banken activeren het spaargeld dat ze binnenkrijgen op ideale manier, behalve wat er nu gebeurt met de laatste COVID-crisis. Dus er is een tijdelijk effectief spaaroverschot inderdaad. Gaan we even kijken naar de spaarder zelf. Hoe gedraagt die zich? Wat heeft die eigenlijk gedaan? En als je naar dat gedrag gaat kijken, dan kan je maar één ding concluderen. En dat is dat er maar één echte Tina bestaat. En dat is niet de beurs. En dat is eigenlijk zelfs niet vastgoed, wat misschien heel raar zou zijn voor België. Maar dat zijn deposito's. En dat wordt ook bevestigd, die cijfers die je ziet staan. Hier worden ook bevestigd door enquêtes die gedaan zijn door bijvoorbeeld Mediahuis. De Belg heeft een grote voorkeur voor om zijn geld te plaatsen op deposito's. Je ziet er op twee zaken. Je ziet het aandeel van deposito's in het totale bruto vermogen van de gezinnen heel sterk toenemen. 3% punt erbij op een paar jaar tijd. En dat op een moment dat eigenlijk de beurs gigantisch goede rendementen neerzet. De MSCI World, als je die als benchmark wil nemen, die heeft plus of min 15% geannualiseerd neergezet in die periode. Op deposito's had je nog geen 2% als je alles tezamen optelt. Wat je ook ziet is dat de Belg ook heel graag zijn geld korter gaat plaatsen. Dat in plaats van het op langlopende deposito's te plaatsen, hij het eigenlijk voornamelijk op zichtdeposito's plaatst. En zeker ook sinds de crisis is dat gedrag geaccentueerd. Daar is het aandeel van zichtdeposito's van 40% naar bijna 45% gestegen op een jaar tijd. Nu, die zichtdeposito's, banken kunnen daar iets mee doen, maar ook weer niet zoveel, want dat geld kan namelijk opgevraagd worden en je kan dat zeker niet allemaal inzetten om langlopende kredieten mee te geven. Wat zegt je dat eigenlijk over die spaarder? Wel, je ziet hier preference revelation. Een spaarder houdt niet van risico gewoonweg. Men verkiest veiligheid van het deposito boven de onzekerheid, maar het hogere rendement van de beurs. Dus dat is effectief risicoaversie, maar kan ook wijzen op een gebrek aan kennis. Ken je de beurs wel voldoende? Heb je voldoende kennis van financieel beheer om juiste of betere beslissingen te kunnen nemen?
En dan zie je ook in het aantal defensieve MiFID beleggersprofielen die bij banken geacteerd worden. En ook die defensieve MiFID beleggersprofielen, die geven de banken eigenlijk moeilijkheden, want dat wil zeggen dat het spaargeld van de spaarder, dat je dat niet kan laten afleiden naar bepaalde beurscategorieën of naar bepaalde types van portefeuilles, maar dat je het eigenlijk ontzettend voorzichtig moet gaan beleggen elke keer. En dat het geld op die manier misschien niet op de juiste plaats of op de optimale plaats kan komen voor je economie. Nu, dat is één zaak. Er is een tweede zaak die je kan vaststellen in dat gedrag van die beleggers en van die spaarders. En dat gedrag kan je observeren in de primaire obligatiemarkten. Als daar toch obligaties uitkomen van Belgische bedrijven bijvoorbeeld, en die betalen een positieve vaste coupon over een jaar of 4, 5, 6, 7, dan zie je dat de interesse voor dat soort beleggingen toch altijd behoorlijk groot is. Dus de overinschrijvingen door retail of private banking cliënteel zijn eigenlijk altijd ontzettend goed. Met andere woorden, dus risicoaversie, ja, binnen bepaalde mate, maar men wil eigenlijk ook heel graag een zeker rendement, men wil een coupon krijgen. En dan kan je afvragen of het aanbod van beleggingen, of dat eigenlijk wel echt aangepast is aan de vraag naar beleggingen en of daar geen mismatches mogelijk zijn. Wat geeft er als eerste diagnose of diagnose die je uit dat gedrag kan halen van zowel banken als investeerders? Wel, bij banken, de fondsen zijn beschikbaar. We hebben het geld en we willen het ook absoluut inzetten. We willen die strafrente niet betalen. Integendeel, we willen gewoonweg een normaal rendement krijgen voor het risico dat we nemen. Maar het aantal projecten die mogelijk zijn, en zeker in COVID-tijden, is veel beperkter. Projecten worden teruggeschroefd, investeringen worden niet gedaan. Mensen die wel kredieten nodig hebben, daar mogen banken, als je rekening houdt met hun wettelijk en prudentieel kader, misschien niet veel geld aan geven. En er is ook veel meer nood aan solvabiliteit. Aan kapitaal, aan equity, dat moet gestort worden. En banken mogen geen equity geven aan bedrijven. Dat kan gewoonweg niet. Dus daar heb je ook een mismatch tussen wat banken kunnen aanbieden en waar eigenlijk nood aan bestaat momenteel in de markt. En een tweede zaak, en dat is eigenlijk een belangrijke opmerking, is als je naar de kredietcyclus kijkt, wel, die is pro-cyclus. Die versterkt je bestaande economische cyclus en die volgt op je bestaande economische cyclus. Dus als je meer kredieten wil gaan geven, moet gaan geven, dan moet eigenlijk eerst je economie daarvoor klaarstaan en er moet ook meer vraag zijn naar die kredieten. Het is een beetje zoals water geven aan een paard dat niet wil drinken. Je kan het water er naartoe brengen, maar als het paard niet wil drinken, dan dient dat water tot niks eigenlijk. En dat is een beetje de situatie waar we momenteel ook in zitten. De economie is niet rijp om al die kredieten of dat mogelijk geld het ook effectief goed te gaan gebruiken. Ga je naar de directe financiering kijken, naar een kapitaalmarktfinanciering eerder? Wel, investeerders zoeken een veilig en een zeker rendement. Zeker wil niet zeggen dat er totaal geen risico aan zit, maar wel dat men een bepaalde coupon wil krijgen. We zien ook dat die beleggers eigenlijk vaak risicoavers zijn. Je kan je afvragen of ze niet te risicoavers zijn. Maar je moet dat te risicoavers ook kaderen in het doel dat spaarders hebben. En dat komt ook uit die enquête van Mediahuis die wij vorige week hebben kunnen inzien. Nummer 1 in de redenen waarom mensen sparen of gaan beleggen, dat is effectief het aanvullen van hun pensioen. En als je dan ook rekening houdt dat een gemiddelde belegger of spaarder €300 per maand kan sparen, dat komt ook uit die enquête, dan is dat redelijk weinig. Dus met andere woorden, als je dat bedrag wil gaan sparen, wil je het zeker ook hebben kunnen gebruiken later, wil je het niet kwijt gaan spelen. Dus daarmee dat men die beleggingen op de beurs vaak gaat schuwen en dat is misschien ook niet altijd optimaal. En men gaat het geld dan op de koop nog eens kort plaatsen ook, waar banken dan weinig mee kunnen doen. Dus je hebt eigenlijk een mismatch tussen je aanbod van financiering en de vraag naar financiering. Een mismatch tussen projecten die men kan of die men wil financieren en projecten die bepaalde financiering echt gaan zoeken. Wat moet je dan eigenlijk doen? Wel, proberen die mismatches gewoon op te lossen. Nu, gemakkelijk gezegd, dat doen is toch nog iets moeilijker, denk ik. En dit is mijn voorlaatste slide eigenlijk. Je kan die mismatches proberen op te lossen op korte termijn en op langere termijn. Op korte termijn, en dat is gewoon vaccinatie, en dat staat al meer dan een week op mijn slide, die vaccinatie. Het is dus niet ingegeven door het overlegcomité dat vanmorgen heeft plaatsgevonden. Maar als je wil dat je economie echt terug herlanceert, dan moet die vraag naar investeringen en naar kredieten er ook effectief gaan komen. En dat kan je alleen maar doen wanneer je economie vrij is van dat COVID-virus. Dus die vaccinatiecampagnes die moeten echt absoluut opgestart worden. En dat is eigenlijk de eerste bezorgdheid. Alle andere dingen die je kan doen zijn eigenlijk van tweede orde belang gezien de situatie waar we nu staan. Wat kan je nog gaan doen? En George gaat daar straks verder over spreken. Dat is gewoon solvabiliteit verschaffen waar het nodig is. We hebben nu al een aantal federale regionale fondsen die klaarstaan. Het probleem van die
federale en regionale fonds is dat die noodzakelijkerwijze altijd contact hebben met de bedrijven die dat geld nodig hebben, die dat kapitaal nodig hebben. Wel, banken hebben wel contact met die bedrijven en die kunnen die klanten effectief naar die federale regionale fondsen toeleiden. Banken kunnen trouwens ook het kredietwerk, want daar zijn banken goed in, kredietanalyse, ter beschikking stellen van die overheidsfondsen, zodanig dat effectief solvabiliteit van die bedrijven wordt opgekrikt. Je kan het ook verder denken, je kan uitbreiding doen van je klassiek gamma aan producten, dus productinnovatie gaan doen. Je kan ook echte investeringen proberen te stimuleren met fiscale stimuli. Op langere termijn, maar moet eigenlijk ook onmiddellijk opgestart worden, maar de effecten lopen langer door volgens mij, dat is heel zeker financiële educatie. Daar wordt al sterk op ingezet, daar moet meer op ingezet worden. En dat is niet alleen kennis van producten die je moet gaan opkrikken, maar ook financieel beheer. Hoe beheer ik mijn geld op optimale wijze? Hoe beheer ik dat goed? Daarvoor moet je effectief de producten kennen, maar het beheer is een tweede aspect dat ter sprake moet komen. Een opmerking die je ook kan zien is dat wij zoeken echt graag veiligheid. Banken moeten veilig zijn via prudentiële regels en terecht. Consument moet beschermd worden, terecht. Consumentenprotectie is noodzakelijk. Maar als je al die veiligheidsmaatregelen die terecht zijn optelt, dan is die slinger misschien te veel doorgeslagen richting veiligheid. Uiteindelijk, wanneer je over een economie herlanceren spreekt, dan spreek je over risico nemen. Dan spreek je over creatie en destructie van businessplannen, van bedrijven, van mogelijkheden die je kan bieden. Dus als je altijd veilig wil zijn, dan ga je geen risico nemen en dan ga je die herlancering er ook niet krijgen. Dus daar moeten we misschien eigenlijk ook de balans terug wat correcter plaatsen en misschien een deel deregulering doen of een aantal structurele aanpassingen doen aan ons economisch systeem. En dat geldt zeker ook voor de werking van de Belgische kapitaalmarkten. Als je hoort dat bedrijven zoals Sion van de beurs gaan, waarbij zij beweren dat de beurs voor hen geen meerwaarde meer biedt, dat het eigenlijk alleen maar lasten en kosten zijn, dan zit er eigenlijk iets scheef op je kapitaalmarkt en moet je daar naar je kapitaalmarktwerking gaan kijken en die proberen te optimaliseren opnieuw. En dan als laatste, en dat is misschien zeker niet het onbelangrijkste, vermijd gaten in je financieel systeem. Win-win leningen zijn in Vlaanderen gecreëerd, dus een redelijk goed systeem. Waarom rol je dat niet uit voor heel het land? Doe je dat federaal, doe je dat ook in Wallonië. Ook bepaalde shadowbanking activiteiten zijn waarschijnlijk in ons land veel te weinig aanwezig. En dat zijn dan shadowbanking activiteiten, fondsen, die effectief krediet of kapitaal kunnen verschaffen aan opstartende bedrijven, aan scale-ups, aan dat soort zaken. Zaken die eigenlijk in ons land iets te weinig aanwezig zijn. Conclusie kortom, een structureel spaaroverschot in de financiële sector is er eigenlijk niet. Er is er nu tijdelijk wel in omwille van COVID. Ons financiële landschap dat moet effectief aangevuld worden met een aantal elementen die ontbreken. Er is noodzaak, heel zeker, aan een volgehouden financiële educatie. En als je altijd alles veilig wil maken, op zich is het telkens goed, maar als je alles optelt, heb je misschien een aantal onbedoelde gevolgen die ook een negatief effect op je economie kunnen geven. En hiermee rond ik eigenlijk mijn presentatie nu volledig af. Dank u wel, Geert. Ik denk dat we van u een tour d'horizon gekregen hebben zoals dat wij verwacht hadden. Ik zou nu graag het woord, je voudrais maintenant passer la parole à professeur Georges Hupner. Georges, est-ce que je peux te demander de partager avec nous vos idées sur la mobilisation des épargnes? À vous la parole, s'il vous plaît. Merci Marc. J'espère que vous voyez mon écran. Bien, alors je remercie d'abord Geert d'avoir vraiment fait le job de préparer en fait le terrain pour ce que je vais vous présenter. Je ne sais pas si vous voyez mon premier slide parce que là je vois un écran avec uniquement oui. Bien, en fait pour planter un peu le décor. Je suis donc chercheur en finance, j'enseigne depuis pas mal d'années aussi de la finance d'entreprise et notamment de financement hybride dans le monde économique. Et il y a un an, à peu près jour pour jour, j'avais un conseil d'administration d'une banque auquel je participais un dimanche, juste après le début du premier confinement. Et je me suis rendu compte que finalement, nous disposions d'un certain nombre d'outils qui nous permettraient d'apporter des réponses relativement intéressantes à la situation tout à fait spécifique qui se présente à nous.
Donc l'imagination est au pouvoir et c'est un peu ce genre d'idée que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Je suppose que vous voyez, comme moi, le circuit financier, Geert l'a présenté tout à l'heure d'une manière un peu différente. Et le constat que l'on fait, effectivement, c'est qu'avec la pandémie, on a eu un goulot d'étranglement assez important au niveau du surplus de dépôts qui est arrivé dans le monde bancaire. Alors, Geert a dit qu'effectivement, on n'avait pas... Ce n'était pas un problème structurel majeur et que la grande partie de l'épargne soutient l'économie à travers les prêts bancaires. Il n'en reste pas moins que ce qu'on a vu arriver sur les comptes en 2020 est absolument exceptionnel en termes de volume et de caractère non prévu. Et d'autre part, comme Kirkinens l'a dit également, les entreprises doivent se financer par le canal bancaire et par les marchés financiers. Et notamment pour ce qui concerne la solvabilité, généralement, elles vont lever du capital. Elles peuvent le faire s'il y a un marché primaire, un marché secondaire. Et lorsqu'on est en difficulté, on n'a généralement pas très envie d'ouvrir son capital, notamment avec une augmentation de capital vis-à-vis d'actionnaires extérieurs, puisqu'on doit le faire dans des circonstances où les valorisations ne sont pas bonnes. Donc, finalement, on a un marché financier qui est un peu, un circuit financier qui est un peu grippé, et c'est le point de départ du constat. Alors, peut-être pour étayer un petit peu ce que je voudrais donner aujourd'hui, on a effectivement un montant très très important sur les comptes d'épargne. Le surplus, pour une partie, est non rationnel. Je pense que Geert a parlé de l'éducation financière, du fait que on se prépare pour sa pension, mais avec des rendements qui sont nuls sur les comptes d'épargne, évidemment, on a une perte de pouvoir d'achat. Je pense néanmoins que ce surplus est pour une partie structurelle, puisque nous n'avons pas la possibilité de trouver un canal d'investissement bancaire suffisamment rentable, notamment par rapport au fait que les comptes sont florés. Vous savez que sur la plupart des comptes, on a un taux de rendement qui est légalement non négatif. Ça amène un appauvrissement du pouvoir d'achat pour chaque euro qui est mis en compte. Une grosse partie de ces montants aujourd'hui est inutile pour le secteur bancaire. D'ailleurs, le secteur bancaire fait tout ce qu'il peut pour essayer de convaincre les épargnants qu'ils seraient sans doute mieux servis s'ils avaient un portefeuille plus équilibré avec un certain nombre de produits un peu plus risqués. On a un accroissement des inégalités suite à la crise, on le sait. La crise a été très inégalitaire avec un certain nombre de personnes qui se sont enrichies, une autre partie de la population qui s'est appauvrie. Et donc, on a de l'épargne forcée, la consommation différée qui est arrivée depuis mars 2020. Donc, en gros, on peut dire que beaucoup de ménages sont dans l'état d'esprit. Je voudrais bien faire quelque chose, mais je n'ai pas d'alternative liquide et sans risque. Et d'ailleurs, Geert a parlé de TINA, je n'ai pas besoin de m'exprimer plus avant. Pour les entreprises, un certain nombre ont subi une réduction d'activité, avec évidemment des pertes qui vont peser sur leurs fonds propres. Les mesures de soutien font en fait qu'un certain nombre d'entre elles ont une augmentation de leur levier financier, donc ça ne résout pas structurellement leurs problèmes de solvabilité. Les actionnaires internes, puisque ces entreprises sont en difficulté, se sont appauvries et donc un appel de fonds doit être généralement dilutif. Et la nécessité d'accroître le niveau de solvabilité se fait finalement au pire moment par rapport à la situation que ces entreprises connaissent. Il me semble que ce mismatch, ce déséquilibre est un déséquilibre qui, curieusement, peut être rencontré par un certain nombre de mesures qui permettraient de rapprocher finalement les contraintes et les objectifs des uns et des autres. Comment ? Eh bien, il faudrait trouver pour les ménages qui ont ce surplus d'épargne une alternative qui lui apporte, et je pense que Kirkilens en a parlé déjà, la sécurité et la liquidité. La rentabilité positive, d'ailleurs Geert l'a dit, c'est quelque chose que l'on voit notamment sur le marché primaire des obligations, et j'ajouterai porteur de sens, c'est-à-dire qu'une alternative au compte d'épargne doit aussi
amener à ce que toutes autres choses restant égales, on préférerait plutôt aller vers un produit alternatif que vers le compte d'épargne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une bonne raison pour le faire. Donc, les gens cherchent des créances liquides. Des créances liquides et relativement sûres. Les entreprises, elles, doivent réduire leur levier pour un certain nombre d'entre elles. Il suffit d'entendre les responsables de Graydon qui expliquent quels sont les besoins cumulés en matière de solvabilité des entreprises aujourd'hui. Un effet non dilutif, parce que les actionnaires n'ont pas envie d'être dilués au moment où c'est le pire pour eux, sans pour perdre le contrôle également. Et j'ajouterai de nouveau que cette alternative aux augmentations de capital doit avoir un caractère éphémère, c'est-à-dire que il s'agit de quelque chose qui est ponctuel, qui est lié à une crise sans précédent et qui n'est pas, sauf pour certaines entreprises évidemment, un besoin de nature structurelle sur le très long terme. Comment réconcilier ça? Alors, je vais vous montrer un graphique un peu plus loin qui est un peu sibyllin, mais je pense que la rencontre entre ces deux éléments est possible. Pourquoi? Mais parce que aujourd'hui, on a une distorsion sur le marché financier qui est liée à la politique monétaire. Cette distorsion, elle fait en sorte que le taux d'intérêt de marché est nul, voire négatif, mais que par ailleurs, de manière tout à fait normale dans une situation économique telle que nous la connaissons, on a une possibilité de redressement économique, surtout évidemment après l'année 2020 qu'on a connue, et donc le rendement réel de l'économie est vraisemblablement, en tout cas sur la durée, potentiellement positif. Ce qui veut dire que le taux d'intérêt devrait être positif s'il rencontrait une réalité économique, qui est que le taux d'intérêt nominal devrait être égal au taux de croissance réel de l'économie plus l'inflation. Donc il y a un arbitrage économique à faire qui peut être redistribué. Cette redistribution peut être faite de manière assez équilibrée entre les différentes parties prenantes, de sorte que chacun y trouve son compte. On est aussi dans un contexte de crise sans précédent, où les entreprises touchées, la plupart d'entre elles ne le méritent pas, on s'accorde à le dire, donc il y a peut-être quelque part une forme de solidarité économique qui est plus facile à trouver aujourd'hui. Dans une économie, on sait très bien que notre société est parfois un peu clivée entre le monde des entreprises et le monde du travail, par exemple, mais ici on n'a pas ce clivage qui devrait se marquer de manière aussi importante. Et on dispose du progrès de la finance, de la science financière, puisqu'on peut construire des actifs financiers qui permettent de découpler les risques à travers des produits dérivés. Alors, ce n'est pas des produits dérivés qui seraient échangés sur le marché financier, ce serait simplement des mécanismes, notamment des mécanismes d'assurance ou des structurations de priorité de remboursement. Je vais passer sur les aspects techniques. Mais le dernier point que je veux évoquer ici, ces mécanismes peuvent ne rien coûter à personne si l'on considère que le rendement économique d'un fonds de solvabilité serait structurellement positif. Donc si on part de cette hypothèse-là, si on part de l'hypothèse que les entreprises vont créer de la valeur dans les prochaines années, surtout en les sauvant, donc les entreprises qui méritent d'être sauvées, qui sont sauvées, vont créer de la valeur, et bien cette valeur peut être redistribuée de manière équitable entre les entreprises et leurs apporteurs de capitaux. Alors voilà le graphique que je vous promettais. Il est un peu compliqué, mais je vais essayer de très très brièvement en vous en donner la substantifique moelle. Vous avez à droite l'épargnant qui a donc une épargne disponible et qui va souscrire un emprunt. Emprunt qui lui apportera les différentes garanties de liquidité, de solvabilité, de liquidité, de rentabilité, de sens et de rendement positif qu'il recherche à travers son compte d'épargne. Ce fonds va souscrire à un fonds solidaire de participation qui en réalité va participer au capital des entreprises, mais sous la forme, j'oserais dire, de fonds propres mous. Alors, on parle de temps en temps de fonds propres durs, on parle de quasi-fonds propres, quand on parle notamment de dettes subordonnées, on parle généralement de quasi-fonds propres. Les fonds propres mous, c'est quoi? Ce sont des titres financiers hybrides qu'on appelle les actions de préférence, que certaines entreprises connaissent, et qui en fait ont plusieurs caractéristiques très très intéressantes dans ce cadre-ci, dans le cas d'espèce. Ce sont des actions qui font partie des fonds propres, mais qui n'ont pas nécessairement de droit de vote, quand l'entreprise notamment est en bonne santé, qui distribuent un dividende préférentiel. Donc ça veut dire que c'est l'Assemblée générale qui décide de la distribution du dividende et il ne s'agit donc pas d'un paiement obligé.
On peut rendre ce paiement cumulatif, je vais en parler. On peut aussi faire en sorte que ces actions de préférence soient convertibles en capital, donc en capital dur, cette fois-ci en fonds propres suivant une certaine échéance. Et on peut également faire en sorte que ces actions de préférence, qui sont finalement un peu monstrueuses dans une structure de capital, s'autodétruisent, c'est-à-dire qu'il suffit de les rendre callable, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remboursables à une certaine échéance par l'entreprise au fonds qui a participé. On peut également garantir le rendement positif à travers un mécanisme optionnel. On peut également garantir la liquidité simplement en payant une prime à des intermédiaires financiers qui pourraient rembourser simplement les apporteurs de capitaux lorsqu'ils auraient besoin de leur épargne. Et on peut également faire en sorte que, une fois une certaine période terminée, un certain calendrier terminé, ce fonds soit racheté par un fonds de deuxième génération qui, lui, a vraiment pour vocation de faire du private equity. On peut penser notamment aux acteurs d'investissement régionaux, comme la Sovalfin, par exemple. Et donc, l'action de préférence, selon moi, présente ces caractéristiques intéressantes. Je l'ai listé dans le tableau que l'on a ici. En fait, ce sont des hybrides qui ont certaines caractéristiques des actions ordinaires et certaines caractéristiques des obligations qui les rendent parfaitement intéressants. Sachez que ce genre de titres, on les étudie dans la finance d'entreprise depuis presque 50 ans maintenant. Donc on a une très très bonne connaissance de leurs mécanismes, notamment de ce qu'elles peuvent apporter dans un certain nombre de contextes, comme celui-ci par exemple. Et en réalité, on s'aperçoit aussi que en les assortissant d'un certain nombre de caractéristiques, ça fait le job, comme on dit. Et ces caractéristiques, j'en ai parlé. Ces actions de préférence devraient être cumulatives, c'est-à-dire que si une entreprise ne paie pas un dividende, c'est comme si c'était un intérêt, mais cet intérêt n'est pas dû effectivement sur un caractère exigible, mais c'est simplement une décision de l'Assemblée générale. Ces dividendes, s'ils n'étaient pas payés, mais ils seraient simplement accumulés au fil du temps, de sorte que pour l'apporteur de capitaux, l'accumulation de dividendes non payés, c'est simplement une accumulation d'intérêts non payés, mais qui n'amène pas l'entreprise en défaut. Ces actions de préférence peuvent être remboursables avant échéance, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour l'entreprise de faire le remboursement avant une certaine échéance. D'ailleurs, ces actions n'ont pas d'échéance, elles n'ont pas nécessairement vocation à avoir une échéance finie. Et convertible, c'est-à-dire que si jamais l'entreprise n'a pas procédé au remboursement et si l'entreprise est viable, le fonds, à un moment donné, mais de manière supplétive, peut éventuellement convertir ses actions de préférence en actions ordinaires. Et je pense que on m'a beaucoup parlé du fait que c'était un peu compliqué parce que ça suppose des changements de statut, c'est vrai, dans la plupart des cas. On connaît un instrument qui est utilisé par de nombreux fonds de relance, de nombreux fonds de solvabilité, ce sont les prêts subordonnés. Prêts subordonnés, c'est à peu près pareil. On peut très bien structurer un prêt subordonné qui aurait des caractéristiques relativement similaires. N'oublions pas qu'il s'agit de quasi-fonds propres et non de fonds propres mous. C'est-à-dire qu'un prêt subordonné demeure quand même un titre à caractère exigible qui rentre dans les fonds tiers et non dans les fonds propres dans le bilan d'une entreprise. Mais il est tout à fait possible, à travers un fonds de participation tel que je l'imaginais, d'avoir une partie disons un mix de titres dans lequel on a effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise ou de la dépendance financière de cette entreprise, un caractère plus ou moins lié à l'endettement. Et de nouveau, les banques connaissent bien ce système-là, puisque en fait, toute la gradation des fonds propres d'une banque, entre les fonds propres durs et les fonds de tiers, eh bien, reflète finalement cette réalité-là avec différentes catégories de titres qui peuvent être émis. Pour le particulier, ce qu'il lui faut, c'est donc un titre liquide, c'est un titre qui donne une rentabilité positive et qui lui donne un capital garanti avec un certain sens, une certaine inspiration. Eh bien, je parlais de ce partage de surplus économique. Grâce au mécanisme à la fois de garantie qui peut être proposé, de liquidité qui peut être proposée par les intermédiaires financiers, on aurait finalement quelque chose qui ressemble à un compte d'épargne. C'est-à-dire qu'on a une obligation qui est remboursable à échéance, mais qui est remboursable en fait à tout moment avant échéance,
avec un taux garanti qui est supérieur à zéro et avec un coupon qui simplement est variable. Je ne sais pas combien les entreprises vont créer, donc je ne sais pas combien je vais avoir dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais ce que je sais, c'est que j'aurai plus que ce que j'aurai de toute façon sur mon compte d'épargne. Et c'est ça qui fait la différence. Je pense que proprement éduqué, proprement expliqué à la population, on a vraiment un système qui peut aller lever non pas les quelques centaines de millions dont il a été question jusqu'à présent dans les différentes régions du pays, mais un grand nombre de milliards, et je pense qu'on peut assez rapidement avoir un encours qui serait supérieur au fameux emprunt, le terme qu'on a connu lors de la crise souveraine en 2011. Alors, on a des incitants, évidemment, dont on peut parler, et là, c'est une question d'arbitrage politique, mais ce qui est aussi très important, c'est que les investisseurs institutionnels, les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, peuvent être potentiellement aussi très intéressés par ce mécanisme. Parce qu'en réalité, sur les marchés financiers, elles ne disposent pas aujourd'hui de véhicules de placement qui leur donnent des caractéristiques en termes de liquidité et en termes de garantie qui soient les mêmes que ce type d'actifs avec des taux positifs. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et donc, là aussi, on a un appétit potentiel dont j'ai pu moi-même me rendre compte de la part des banques et des assureurs. Et les banques, évidemment, les banques commerciales, elles verraient ça d'un excellent œil, étant donné qu'il s'agirait de retirer de leur bilan, du passif de leur bilan, un certain nombre de dépôts qui sont aujourd'hui pour une partie excédentaire, pas pour tous, bien entendu, et qui leur coûtent de l'argent. Il faut savoir que ça coûte à tout le monde, ces dépôts. Ça coûte à l'épargnant qui n'a pas un rendement suffisant, ça coûte à la banque qui doit payer de l'argent puisque elle se finance à des taux négatifs par rapport sur les marchés financiers, et de toute façon, l'encours des prêts des banques est déjà largement satisfait avec les ressources dont elle dispose aujourd'hui. Dernière chose, dernier élément, et puis je m'arrêterai. Y a-t-il une alternative? On m'a parlé notamment du fait que les pouvoirs publics, les autorités gouvernementales pourraient avoir une certaine reluctance à apporter leur garantie, même si elle est dûment payée, même s'il y a effectivement une tarification de cette garantie de préservation du capital, parce que notamment, ça peut être considéré comme étant cette garantie un ajout au taux d'endettement, et donc c'est quelque chose qui ne serait pas nécessairement intéressant aujourd'hui. Mais il se fait quand même qu'on doit trouver un mécanisme qui permet en fait de court-circuiter les fameux goulots d'étranglement que j'ai montré au début, que ce soit au niveau des intermédiaires financiers en redirigeant l'épargne des ménages plus directement vers le financement des entreprises, autrement que par l'octroi de prêts bancaires. Comment peut-on faire ça? Eh bien, il y a une solution qui est potentiellement alternative, dans laquelle, dans ce cadre-là, évidemment, les intermédiaires financiers auraient un rôle plus actif à jouer. Il s'agit en fait de quelque chose qu'on appelle de l'asset-backed security, c'est-à-dire que le fonds ainsi constitué serait financé par des tranches. Une tranche qui serait fournie directement par les épargnants, il s'agit en fait du même genre d'obligation, c'est-à-dire une obligation extrêmement liquide avec un coupon variable et un remboursement intégral garanti. Et le risque pourrait être pris en fait de manière graduelle entre les différentes parties prenantes et notamment les investisseurs institutionnels qui pourraient bénéficier d'une espérance de rendement positive. Je pense notamment aux assureurs et aux fonds de pension qui connaissent très très bien ce système d'ailleurs et qui alimenteraient donc de manière tout à fait équilibrée et structurée ce fameux fonds de private equity, ce fonds de participation solidaire qui elle-même pourrait investir dans les entreprises qui ont un déficit de fonds propres. Voilà, je voudrais conclure simplement en disant ceci. En réalité, nous savons que si aujourd'hui on parvient à soigner et à vacciner contre le Covid-19, c'est parce que la science médicale a fait énormément de progrès depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il ne serait évidemment pas imaginable de soigner aujourd'hui les gens malades uniquement avec de la pénicilline. Or,
Les recettes aujourd'hui que je vois appliquées de manière trop souvent en finance sont des recettes qui sont des recettes qui ont au moins 60, 70, 80 ans, qui n'ont pas énormément changé. Et je pense qu'il est temps aussi de se dire que la science financière a fait des progrès et que ces progrès doivent être mis au service de la communauté et de la société dans son ensemble. C'était uniquement mon ambition en faisant cette proposition et je vous remercie de votre attention. Merci Georges pour partager avec nous vos idées sur la mobilisation de l'épargne. Dames en heren, om geen tijd te verliezen, ga ik het woord doorgeven aan onze volgende participant, namelijk Ben Granier. Wij dachten dat de positie van de beleggers ook van belang was in dit debat, vandaar dat wij het woord geven aan Ben. Ben, aan u het woord alsjeblieft. Dank u wel. Dames en heren, en bedankt ook voor de uitnodiging. Korte kadering misschien, VFB geeft een stem aan de individuele beleggers en spaarders in België die naar onze mening helaas vaak over het hoofd worden gezien bij het opmaken van de regelgeving. Nochtans kan een welvarende bevolking een duurzame bijdrage leveren aan een welvarend land, want een bredere participatie van de bevolking in het risicodragende kapitaal zorgt enerzijds voor de nodige liquiditeit die onze bedrijven versterkt en dat heeft dan weer een herverdelend effect op de rijkdom, waardoor de sociale kloof verkleint. Het is dus in belang, denk ik, van elke Belg dat de toegang tot de beurs gesteund wordt in plaats van bemoeilijkt. En denk nu niet dat wij een totale deregulatie vragen. Wij zijn wel degelijk een voorstander van onze sociale welvaartsstaat. Maar we denken dat er misschien te weinig politici zijn met de nodige kennis om correct te kunnen inschatten hoe de beurs die motor kan zijn van sociale welvaart in ons land. U hebt vandaag al een paar mensen gehoord die veel beter geplaatst zijn dan wij misschien om de nodige kennis aan dat beleidsniveau te verschaffen. Maar we hadden toch een aantal ideetjes die misschien kunnen bijdragen aan het vinden van een nieuwe moedige pionier om inderdaad, zoals er straks al verwezen werd, het werk van senator emeritus Etienne Koreman verder te zetten. We hebben vandaag al iets gehoord over de financiële opvoeding van de mensen. De spaarders die staan inderdaad een beetje veraf van de beurs. De Belgische beurs leidt daaronder en krimpt. Een van de oorzaken daar is volgens ons toch ook wel de stereotypering en het populisme dat gebruikt wordt. Dat idee van laat de rijken de crisis betalen. Wel, niet alle beleggers zijn grote rijke portefeuilles. Men spreekt van kleine beleggers, wij spreken liever over individuele beleggers die betalen eigenlijk proportioneel meer kosten dan die grote beleggers. En daar wil ik vandaag graag even iets verder op ingaan, want de ondoordachte consequenties van bepaalde scoringsdrangen pakken soms nadelig uit voor die individuele belegger. En het laatste voorbeeld daarvan is de pensioenfondsen die nu plots inderdaad in België een bepaalde tax zouden betalen, terwijl dat onze Luxemburgse vrienden dat niet moeten doen. Nu wijs ik nog even naar de geschiedenis. De beurs en de volksdeelname aan kapitaal zijn typisch uitvindingen uit de lage landen. Die hebben geleid tot de rijkste perioden in onze geschiedenis. Het lijkt mij niet slim om die rijkdom te gaan versmachten. Zijn er alternatieve keuzes voor spaarders? Die zijn er wel degelijk, maar hoe interessant zijn die allemaal? Obligaties vandaag zijn niet echt de cash cow, staatsleningen, dat hebben we al een tijdje niet gezien. Wat misschien wel een goed idee zou kunnen zijn voor de infrastructuurwerken, voor de energieomslag, waarbij ik wel begrijp dat er vandaag door de steun van de ECB goedkoper geld te krijgen valt. Maar het zou vanuit beleidsvisie interessant kunnen zijn om toch een rendabele staatsobligatie uit te geven. Er is natuurlijk ook vastgoed en VGG's en er zijn de participatiemaatschappijen, de holdings, die vaak heel erg interessant en mooie resultaten leveren. Toch willen we vragen dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en een intellectueel eerlijke boodschap verkondigt en niet de belegger gaat afschilderen als de vijand. Wij zijn niet de vijand, ik wil zelfs meer zeggen, wij zijn misschien een van de belangrijkste elementen in dit, belangrijkste is overdreven, een belangrijk element, een medestander in dit ecosysteem. Een volgende slide. We hebben het al een beetje gehad over
het gebrek aan opleiding, het gebrek aan ervaring. De Week van het Geld, een initiatief van Fablefing, is in die zin een heel goed idee. Wij zouden vragen dat dat reeds in de schoolplannen en de doelstellingen voor onderwijs wordt opgenomen. Anderzijds zien we ook dat financiële dienstverleners misschien nood hebben aan lange termijnvisie, want wij merken dat de service aan individuele beleggers teruggeschroefd wordt de jongste tijd. Dat is enerzijds door een vrij strenge interpretatie van de regelgeving, waardoor klanten naar dure standaardproducten worden geduwd. Anderzijds is er natuurlijk de druk van de kwartaalresultaten. En inderdaad, wij merken aan onze leden dat wij niet noodzakelijk de vele transacties met ons meebrengen. Heel vaak zijn beleggers in België buy-and-hold beleggers, value beleggers die misschien op korte termijn minder rendement opleveren, maar die qua loyaliteit een enorme meerwaarde kunnen betekenen. Misschien is daar een aanmoedigingspremie of zelfs een verplichting tot service mogelijk voor bepaalde serviceverleners, banken, platforms. Daar wil ik ook nog een klein pleidooi houden voor employee ownership plannen. Wij zien in de landen rondom ons, en ik heb daar voorbeelden eventueel ter beschikking uit Frankrijk met de FCPA, uit de UK, de Employee Ownership Trust, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, USA, Canada, Tunesië en Polen. Overal heeft men ondertussen ingezien dat het aandeelhouderschap van werknemers een meerwaarde kan betekenen. Zowel op sociaal gebied, bij het sociaal overleg, wanneer de belangen van de werknemers die mede-eigenaar worden van de zaak beginnen gelijk te lopen met die van de directie. Sociale vrede is ook voor beleggers een relevant gebeuren. Het doel is natuurlijk een financieel gezonde bevolking in een welvarend land. En de beurs is volgens ons beleggers dan toch de meest sociale manier om dat te bereiken. Wij vragen dus dat die belegger geherwaardeerd wordt, dat onze bevolking opgeleid wordt, dat die spaarder effectief makkelijker die stap naar beleggen kan nemen. En employee shares zouden daar een heel mooie tussenstap kunnen zijn. Gaan we kort naar de incentivering. Ik heb er net al gezegd, een coherent beleid is belangrijk. Een stabiel klimaat is belangrijk. Onzekerheid doet het geld naar het buitenland vluchten. Ondoordachte gevolgen van regelgeving doet het geld naar het buitenland vluchten. Amper 13% van de orders die in België geplaatst worden, hebben effect op de Belgische beurs. Dat zijn cijfers die Binkbank ons mee kon delen. Dat gebrek aan belangstelling heeft dan weer tot gevolg bijvoorbeeld de schrapping van de notering, zoals Sion deed, waar we daar juist naar verwezen, om de simpele reden dat de notering op de Belgische beurs misschien meer lasten dan lusten met zich meebracht. Het zijn vooral kleine kapitalisaties die daaronder lijden onder die mindere handel. Institutionele beleggers kunnen daar weinig komen doen als de free float, als de liquiditeit niet hoog genoeg is, want er zijn natuurlijk FSMA-vereisten daaromtrent. En Belgische aandelen zijn dus in grote mate afhankelijk van die individuele beleggers. Tot 25% van de handel in bedrijven die tot ongeveer 1 miljard kapitalisatie hebben en zelfs 40% van de handel in bedrijven die kleiner zijn dan 500 miljoen in beurswaarde. Nu, de grootste kostenpost, dat weten we allemaal, is de taxatie, onder andere de 0,35, die bij de hoogste ter wereld is, maar die ook gelimiteerd is en daarom dus minder storend is voor de grote beleggers, schadelijker is voor de kleine beleggers. Als we spreken over eerlijke fiscaliteit, dan zouden wij argumenteren dat misschien een lagere, maar proportionele belasting daar een steun kan bieden. Nu zijn wij eens gaan onderzoeken wat een verlaging van die kost met zich mee kan brengen. Wat kost dat aan de staat? Een vermindering van inkomsten misschien op korte termijn. Dat vergt natuurlijk politieke moed en een beter begrip van de beurs. Maar VFB heeft de vorige effectentax mee aangevochten en wij zullen dan ook graag bijdragen aan initiatieven om de huidige ook te schorten. Ik herhaal, we willen niet alle belastingen afschaffen, maar dit heeft misschien niet het beoogde effect. Nu, ik heb er juist gesproken over die negatieve spiraal op de beurs. Kan dat gekeerd worden? Wel, samen met Euronext en onze VFB-correspondent Jan Rijns hebben we dat even gaan onderzoeken en zullen we graag een voorstel formuleren die zou kunnen leiden tot een activatie van die spaargelden. Een eerste stap daarbij.
Waarom focussen wij ons op de small en mid-cap bedrijven? Om de simpele reden dat dat werkelijk de meeste Belgische bedrijven zijn. De echt grotere bedrijven vinden we in het buitenland. Is een AB InBev werkelijk nog een Belgisch aandeel? Emotioneel misschien wel. Nu, bovendien is dat gericht dus, zoals ik al zei, op die particuliere beleggers, minder op institutionele beleggers. En daardoor krijgt een minimale kost een maximaal rendement voor dit specifieke doel, namelijk de activatie van particuliere spaargelden ten gunste van de Belgische economie. Dit voorstel hier is in eerste instantie de afschaffing van de tax op de beursverrichtingen bij die kleinere kapitalisaties. Heeft een heel beperkte impact op de opbrengsten, want die tax levert bijvoorbeeld in 2019 een 405 miljoen euro op. En minder dan 2% daarvan komt van de handel in die kleine middelgrote ondernemingen, te weten een 7 miljoen euro. Dus minimale kost en beantwoord perfect aan het doel. Belgische aandelen worden daardoor aantrekkelijk, worden versterkt door ontwakende tegoeden. De bedrijven die we hebben zijn vaak van wereldklasse, maar de koers leidt onder een gebrek aan belangstelling en het geld vloeit ook bij onze beleggers naar het buitenland. Dat lijkt mij dus al een zeer goede zet. En als ik dan nog een tweede voorstel mag doen dat we onderzocht hebben. We hebben eens gekeken wat er zou gebeuren als we de roerende voorheffing op de dividenden bij die kleine beurswaarden, dus ook weer minder dan 1 miljard, zouden verlagen van 30% naar 20%. Initieel een vermindering in de opbrengsten die ruwe schatting tussen de 13 tot 22 miljoen zou kosten op de belastingontvangsten, maar verwaarloosbaar ten opzichte van een totale opbrengst van 3,4 miljard euro in 2020 op die code. Resultaat, verankering in België, versterking van kapitaal, versterking van de liquiditeit voor die kleine middelgrote ondernemingen, hogere participatiegraad wat op zijn beurt helpt om de sociale kloof te verkleinen en de winsten van dat kapitaal te verdelen over een bredere groep. Mogelijk toch een stijging van de belastingopbrengsten door een groter dividend bij die gezonde bedrijven en een algemene verbetering van de financiële toekomst voor onze economie, voor de bevolking, verhoging van de aantrekkelijkheid van de beurs voor bedrijven en beleggers. Ik geef daarbij nog even kort een detailscherm mee. Dat kan u achteraf zelf beter gaan bekijken, want die slides worden u ter beschikking gesteld. De titel van mijn uiteenzetting was Beleggen is duurzaam sparen. Enerzijds kan ik natuurlijk verwijzen naar het aanbod aan financiële producten dat steeds maar groeit. Maar in deze bedoel ik eigenlijk dat beleggen de economie, het land en de bevolking versterkt. Dat die de toekomst van uzelf en uw familie verbetert, dus een beursparticipatie verkleint de sociale kloof. En dus met andere woorden, beleggen aan zich is al duurzaam sparen. Daarvoor moeten we zelfs niet eens een nieuw product of nieuwe wetgeving gaan met zich meebrengen. Het laatste dat ik wou zeggen, er is zo'n cliché van beleggers zijn geldwolf die enkel meer willen. Ik wil dat graag omdraaien. Beleggen is sociaal sparen. Ik zal zelfs meer zeggen. Aan de brede bevolking zou de boodschap moeten zijn. Niet beleggen is eigenlijk het asociale gedrag. Ik dank u voor uw tijd en geef het woord graag door aan Edward Rozes, die u voor zeker intelligentere zaken zal vertellen. Dankjewel Ben. Bonjour à tous. Monsieur de Geijter a annoncé au début que moi j'allais indiquer dans quelle direction les investissements des entreprises devaient aller. Donc je veux d'abord dire que à la FEB on ne dispose pas d'une boule de cristal sur la direction des investissements privés. Donc je ne sais pas vous répondre à la question de Monsieur de Geijter en détail. Et je n'ai pas l'ambition de le faire non plus. Mais en tout cas, dans les années qui viennent, il y aura besoin de deux grands types d'investissements. Le premier type d'investissement, j'appellerai l'investissement post-Covid, donc pour soutenir la solvabilité de beaucoup de nos entreprises. Et en deuxième lieu, il y aura besoin des investissements en verdissement, dans le cadre du Green Deal. Et donc l'angle d'attaque que j'ai choisi aujourd'hui, il s'agit dans ma présentation surtout sur les investissements post-Covid, donc pour soutenir la solvabilité des entreprises. Et
dans la présentation, on se penche aussi surtout sur comment mobiliser le surplus d'épargne des entreprises. Donc, parce que ce n'est pas seulement l'épargne des ménages qui est important, mais il y a aussi un certain, certaines réserves, un certain surplus historique d'épargne des entreprises. Et donc, je vais aussi parler d'autres choses, mais je pense que monsieur, pour la mobilisation des réserves ou de l'épargne des ménages, je pense que monsieur Huppner et monsieur Granger ont déjà beaucoup donné beaucoup d'informations. D'abord, c'est important de rappeler un peu quelle est la situation actuelle, la position actuelle sur le point financier des entreprises. Donc, on a fait une étude ensemble avec Graydon, qui a une base de données très intéressante sur la position financière des entreprises. Cette base de données contient à peu près 400 000 entreprises actives en Belgique. Et donc, vous voyez là, hein, donc, sur l'échelle horizontale, vous voyez la situation financière des entreprises avant la crise COVID, donc l'économie en continuité. Et vous voyez à gauche ceux qui étaient dans une mauvaise situation financière, extremely unhealthy. C'était à peu près 5,4% des entreprises. La colonne au milieu, hein, vous voyez un peu entre les deux, pas fantastique, mais pas très mauvais non plus. Là, il y avait 8% des entreprises. Et en général, la colonne à droite, avant la crise COVID, il y avait à peu près 87% des entreprises qui étaient dans une condition financière excellente. Évidemment, la crise COVID a touché les entreprises gravement. Et donc, sur l'échelle verticale, vous voyez l'impact de cette crise COVID. Et là, vous voyez que, not crisis resistant, hein, donc, la ligne en bas, pour le moment, il y a donc 27,3% des entreprises qui ont des graves difficultés financières, donc comparé à peu près 5,4% des entreprises avant la crise. Donc ceci veut dire que la crise COVID a quand même poussé entre 20 et 25% des entreprises dans des difficultés financières importantes et donc ils ont vraiment besoin des injections de liquidité pour rétablir une situation plus ou moins normale. Dans le slide, c'est intéressant aussi de voir quelle est l'envergure de ce besoin d'injection. Hein, donc nous, on regarde surtout au segment 3 et segment 6, c'est-à-dire toutes les entreprises qui étaient dans une bonne situation financière avant la crise, mais qui maintenant, juste par la crise COVID, sont dans une situation mauvaise. Et donc là, vous voyez que le besoin d'injection pour le segment 3 et le segment 6, c'est quand même 73 milliards au total. Donc ça, c'est un grand défi. Et ce slide montre en même temps aussi qu'une partie de la solution, hein, pas toute la solution, mais une partie de la solution, pourrait quand même aussi venir des autres entreprises dont une bonne partie se trouve encore dans une bonne situation financière et une bonne partie des entreprises dispose aussi de réserves importantes. Vous voyez là que ces réserves dans le segment 9 s'accumulaient à peu près 866 milliards d'euros. Des réserves très importantes qui, évidemment, ne sont pas tous évidemment utilisables ou tous disponibles, mais une bonne partie de ces réserves pourrait quand même aussi être utilisée pour faire des investissements intelligents dans d'autres entreprises qui, juste par l'effet de crise COVID, souffrent d'une situation financière difficile en ce moment. Donc il y a là une opportunité. Il faut aussi se rendre compte que cette opportunité est en train de graduellement diminuer. Vous voyez là que
les réserves des entreprises en septembre 2020 étaient encore de plus de 1100 milliards d'euros. Donc ça a rapidement diminué vers 866 milliards d'euros fin janvier. Mais donc, quand on regarde plus en détail dans cette base de données, on voit que, comme je viens de dire, donc entre 20 et 25% des entreprises saines avant la crise souffrent durement de la crise, malgré la mesure de soutien. Et donc, c'est notamment les petites entreprises, particulièrement entre 10 et 19 employés. On voit aussi une évolution négative pour les plus jeunes entreprises qui ont évidemment moins de fonds propres et pas encore beaucoup de réserves constituées. Et on voit aussi que quand on regarde les chiffres en détail, qu'il y a aussi de gros besoins de liquidités, plus ou moins 12 milliards d'euros, dans le segment entre 50 et 250 salariés. Et ceci aussi malgré la mesure du gouvernement, donc notamment la mesure qui est appelée bazooka. Voilà, ce sont quelques constats. Et donc, nous mettons l'accent surtout sur comment faire une recapitalisation des segments 3 et 6. Ce sont environ 103 000 entreprises saines avant la crise, mais qui sont maintenant avec un risque d'insolvabilité. Et il faut savoir que ces entreprises emploient pour le moment 407 000 employés et donc leurs besoins de capital sont de 73 milliards d'euros. Mais d'un autre côté, il y a encore un montant important de réserves dans les entreprises de 866 milliards d'euros. Donc ça, c'est un peu le cadre de la situation financière des entreprises en ce moment. Et donc la question est, si on veut mobiliser l'épargne pour aider les entreprises à survivre et croître après la crise Covid, comment peut-on soutenir cette mobilisation de l'épargne? Et donc, comme je viens de dire, dans les pistes que nous mettons en avant, je vais surtout me focaliser sur les pistes qui veulent mobiliser l'épargne d'autres entreprises. Donc, ici, je vais surtout parler, la première piste est très importante. Et donc, on avait un système de réduction d'intérêt notionnel qui a très bien fonctionné depuis le début des années 2000 et qui a fait de sorte que nos entreprises étaient prêtes ou très bien capitalisées avant la lourde crise financière en 2008. Par après, évidemment, vous vous souvenez encore que cette déduction des intérêts notionnels était basée sur le taux risk-free des OLO. Et évidemment, à un certain moment, après 2015, le taux des OLO a fortement diminué et donc aussi la déduction des intérêts notionnels a tendu vers zéro. Et donc, aussi dans le cadre du tax shift, la mesure même a été fortement réduite. Mais en même temps, on voit que l'Union européenne a pris un fort intérêt dans la mesure et elle, pour le moment, elle soutient la mesure et elle advise donc aux pays membres aussi de bien regarder cette mesure et voir si ce ne serait pas une bonne idée d'implémenter une sorte de mesure de, appelons-le, une déduction de capital à risque. Et l'Union européenne aussi advise qu'on se concentre surtout sur les petites et moyennes entreprises. Donc, quand on prend la définition européenne, c'est une mesure pour les entreprises de moins de 250 salariés. On se dirige aussi dans la proposition vers quelque chose d'incrémental. Donc, des augmentations du capital devraient être déductibles pour un certain pourcentage, et là évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens de. Ça a un peu de sens de lier ça à l'évolution des taux d'intérêt risk-free, mais évidemment, il faudrait un minimum parce que si on peut déduire 0,05%, évidemment, ça ne forme pas vraiment une stimulation
des investissements en capital dans les entreprises. Deuxième mesure très importante pour nous, ça existe déjà, donc il y a le Tech Shelter pour les startups et les scale-up pour inciter les gens à investir dans de jeunes entreprises. Et ces mesures-là pourraient être encore renforcées, donc comme la proposition de l'IRMG, on pourrait augmenter les seuils des montants d'investissement. Ça pourrait être aussi une bonne mesure de mobiliser du capital et des réserves d'une entreprise à d'autres entreprises, mais aussi du grand public vers les entreprises. Voilà, évidemment, on pourrait aussi penser à un renforcement du crowdlending et l'épargne publique pourrait être aussi mobilisée pour renforcer la solvabilité des entreprises. Et là, je ne vais pas aller trop en détail parce que M. Granger en a déjà parlé et M. Huppner a fait une proposition très intéressante dans ce domaine-là. Mais donc, le but est évidemment que d'une façon ou autre, les réserves du segment 9 pourraient être mobilisées. Quand on subdivise nos mesures un peu en termes de start-up, scale-up, micro et petites entreprises, je dirais là, c'est surtout la mesure du renforcement du tech shelter qui pourrait être intéressant. Encourager aussi, comme on vient de dire, les prêts subordonnés des particuliers, y compris par le crowdlending. Et donc, le renforcement ou la réforme de la déduction pour capital à risque, comme l'Union européenne l'advise pour le moment. Pour les entreprises de taille moyenne, là, évidemment, les besoins sont souvent beaucoup plus importants. Et là, on peut donc penser à des véhicules intermédiaires pour soutenir les investissements dans les entreprises de taille moyenne. Et donc, il y a déjà un premier bon exemple qui est en ce moment est mis en œuvre. C'est le fonds de transformation de la SFPI. Et donc, ça a l'avantage qu'il y a une gestion professionnelle, qu'il y aurait une garantie par le gouvernement et il y a aussi la possibilité, évidemment, de cofinancement par des investisseurs institutionnels. Je peux vous dire en tout cas que chez nos membres, il y a en tout cas un grand intérêt, entre autres chez les assureurs, de contribuer à cet réinvestissement de capitaux via des véhicules comme ce fonds de transformation. Et je pense que Geert Hielens a aussi déjà au début mentionné que le secteur financier est aussi prêt à soutenir ce genre de fonds et son choix d'investissement par des analyses de solvabilité et de rentabilité approfondies. Voilà, évidemment, pour les entreprises de taille moyenne jusqu'à 250 personnes, 250 travailleurs, on peut aussi voir la mesure de renforcement de la déduction pour capital à risque comme une mesure importante. Voilà. Bon, pour la mobilisation de l'épargne publique, je n'ai pas une proposition qui est aussi détaillée et aussi stimulante que celle de M. Huppner, mais en tout cas, je pense que c'est de préférence quelque chose qui pourrait se passer via des véhicules de financement comme le fonds de transformation, avec une réduction d'impôts à l'IPP. C'est un peu le volet de Klerk, de l'ancienne mesure couramment de Klerk. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi des possibilités régionales pour utiliser leur autonomie fiscale et faire des choses spécifiques dans la fiscalité IPP, liées par exemple aussi à des investissements ou des fonds d'investissement qui seraient mis en route par les fonds régionaux d'investissement. C'est quelque chose qui est souvent oublié, mais il y a là une certaine autonomie fiscale qui pourrait être utilisée. Le crowdlending pourrait être renforcé par une exonération du précompte mobilier sur une partie plus élevée des intérêts que maintenant. Et je vais un peu dans le même sens que M. Granger
On pourrait évidemment penser aussi à la suppression des taxes opérations de bourse pour toutes les actions, par exemple, des small caps. Si on veut stimuler encore plus la mobilisation des réserves des entreprises vers d'autres, on peut penser aussi à des mesures dans l'ISOC, hein. On peut prévoir des crédits d'impôt qui donneraient une stimulation pour donner plus de délais de paiement aux entreprises qui sont en difficulté, mais aussi pour faire des prêts subordonnés à d'autres entreprises ou à faire aussi des participations. Et donc, je crois que c'est très important, avec toutes ces mesures, d'éviter un effet domino dû aux faillites dans plusieurs secteurs ou chaînes de valeur qui risquent quand même de se faire dans les semaines et mois qui viennent. Et surtout, évidemment, on verra encore les décisions aujourd'hui du comité de concertation. Mais si un nouveau lockdown devrait venir, je pense qu'il faut quand même tenir compte d'effets considérables sur la solvabilité des entreprises pour une troisième fois. Voilà quelques idées pour vous. Et c'était tout ce que je voulais dire. Et je donne la parole à nouveau à M. De Geyter qui va gérer le Q&A. Merci beaucoup, Monsieur Rossens, pour votre contribution. Et enfin, mesdames et messieurs, on a reçu plusieurs questions. Je sais que le temps a déjà avancé beaucoup. Ça veut dire que je dois absolument limiter. Mais je vais commencer par adresser une question à chacun des orateurs. Une première vraag die wij binnengekregen hebben. Eigenlijk bestemd voor Geert Gielens, namelijk waarschijnlijk heeft de betrokkenen een stuk van de uiteenzetting gemist, namelijk wat is de betekenis voor u van het absoluut bedrag van het saldo op de spaarrekeningen? Dat was een eerste vraag. En een tweede vraag, is het niet zo dat het grote overheidstekort in België een beletsel is voor het organiseren van investeringen in de reële economie? Dus eigenlijk twee vragen bestemd voor Geert Gielens. Alsjeblieft, Geert. Het totale saldo van alle deposito's die er staan, dat is gewoon het basisfunding voor banken die je hebt. Nu, deposito's moet je bekijken in termen van hun liquiditeit en de snelheid waarmee ze kunnen weggehaald worden. Een deposito op een jaar of twee jaar, dat wordt veel minder gebruikt tegenwoordig, maar die dingen bestaan nog altijd. Daarmee kan je als bank een aantal interessante dingen gaan financieren. Reglementeerde spaardepots evenzeer, maar gewoon de zichtdeposito's of lopende rekeningen. Ja, dat geld kan van vandaag op morgen weg zijn. Dus dat heeft een bepaalde nut voor de banken, maar je kan dat nut niet ten volle gebruiken. Dus het is gewoon financieringsbasis om kredieten te kunnen geven aan bedrijven. Dan de tweede vraag. Is de grote staatsschuld geen belemmering om investeringen te gaan financieren? Ja, eigenlijk is dat het enige zinvolle antwoord dat ik daarop kan geven. Ja, onze staatsschuld heeft inderdaad zijn problemen. Het is heel groot. We hebben het voordeel dat momenteel de rente negatief staat en dat je dus eigenlijk wel geld kan lenen en je moet minder terugbetalen. Je moet natuurlijk ook hopen dat wanneer je moet gaan terugbetalen en gaan herfinancieren, de rente op dat moment ook nog laag staat natuurlijk. En dat zal niet altijd het geval zijn. Momenteel zien we ook een opzet van inflatie. We zien de rente terug naar boven kruipen. Maar bon, we zijn nog altijd zeker niet in gevarenzones momenteel. Maar het is niet zozeer de staatsschuld die op zich het probleem is, want dat is het gevolg van je uitgaven uit het verleden. Het is eerder hoe dat je je huidige consumptiepatroon samenstelt en hoe dat je je uitgaven vandaag samenstelt. Dus men zou eigenlijk een keuze moeten kunnen maken eerder voor investeringen, iets meer ten nadele van consumptieve investeringen. Maar veel van die consumptieve investeringen van de staat zijn, hebben ook een permanent karakter. Omdat vaak subsidies aan verbonden zijn, omdat er lonen aan verbonden zijn, omdat er heel veel sectoren soms aan verbonden kunnen zijn. En als je daar nog gaat kijken naar de toekomst toe, naar de pensioenbom die er gaat aankomen, dan weet je dat inderdaad je huidige staatsschuld een belemmering wordt voor die investeringen.
Dat is gewoon zo. Men gaat daar redelijk realistisch in moeten zijn. En ik denk dat ook de ECB of de NBB van de week in de pers is gekomen met becijferingen waarin men ook laat uitschijnen dat de 4% investeringsratio die men nastreeft, dat men die waarschijnlijk niet gaat halen. Dat is denk ik mijn antwoord op die vragen. Ja, dank u Geert. Een question reçue pour monsieur Rosen, je pense. Hein? Je lis la question. Si la qualité des investissements est suffisamment bonne, pourquoi aurait-il besoin d'un coup de pouce fiscal alors que l'État n'a pas plus les moyens de mener une politique fiscale guidée en part et partie par l'effet Mathieu? On est évidemment dans une situation assez spéciale. Hein. Donc, comme M. Hübner a aussi démontré, c'est une situation où, spécifique où bon, les entreprises, on ne peut pas vraiment les pointer du doigt. Hein, pour, ils n'ont pas causé la crise, hein, c'est une crise sanitaire. Et pour cette crise sanitaire, on oblige certaines parties de notre économie de fermer. Et donc, tous les secteurs, à peu près, pour le moment, connaissent des pertes, des baisses de leur chiffre d'affaires. Donc, mais on sait bien que dans ces entreprises, il y avait une grande partie, 20 à 25% des entreprises, qui étaient en excellente santé financière. Et donc, ce serait quand même dommage de simplement dire, ah, bon, crise Covid, vous étiez en une excellente entreprise, mais la crise a diminué vos ressources financières. Et donc, malheureusement, si vous faites faillite, c'est comme ça. Je pense que là, ce serait vraiment un tissu très important de notre économie qui serait perdu. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt du gouvernement de mettre en œuvre un certain incentive fiscal pour faire de sorte que cet investissement soit stimulé. Et je pense que le gain qui en ressort est beaucoup plus important que la perte qui se ferait pour le budget de l'État. Ja, dank u meneer Roosters. Een vraag die eigenlijk ook naar u gericht is, wil ik onmiddellijk erbij stellen, een Nederlandstalige vraag. Is de COVID-crisis ook een moment om de ondersteuning van bedrijven afhankelijk te maken van minimale duurzaamheidsvoorwaarden en zelfs bepaalde sectoren uit te sluiten? Hebt u er een idee over, een mening over? We moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig in zijn, maar dat is een beweging die sowieso op ons afkomt. Hè. We zijn daar als VBO en ook ik weet dat Febelfin daar ook heel intensief rond werkt. Zijn we ons bewust van wat er op ons afkomt? Hè. In het kader van de Green Deal zal de bankaire sector zeker en vast ook meer gepusht worden om bepaalde duurzaamheidscriteria te hanteren in zijn beslissingen over welke kredieten het verleent aan welke bedrijven. Dus ik denk dat dat sowieso iets is dat op ons afkomt. Ik denk dat dat ook een troef kan zijn, dat dat ook iets kan zijn dat ons kan versterken. En dat we hebben heel veel goede bedrijven die actief zijn in dat segment van duurzame materialen, duurzame productiewijzen, circulaire economie, nieuwe energietechnologieën. Dus we zijn daar zeker klaar voor. De vraag is alleen, als die transformatie zich voltrekt, hoe dat we die kunnen realiseren op een manier die ook sociaal verantwoord is. Bijvoorbeeld naar de werknemers van die bedrijven die dan werken in de minder duurzame sectoren, om het zo te zeggen. Maar op zich heeft dat weinig zin dat ik mij daarover uitspreek of dat ik daar nu voor of tegen ben. Ik denk de realistische visie is dat dat op ons afkomt en dat we moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn. En dat is iets dat niet alleen afkomt op ons, op alle bedrijven, maar zeker ook op de financiële sector. Maar Geert kan mij misschien aanvullen of corrigeren op dat vlak. Ik weet niet. Als ik mag aanvullen, Mark. Ja, alstublieft, alstublieft. Effectief, die duurzaamheid en al wat met klimaat- en ESG-doelstellingen te maken heeft, komt redelijk snel zelfs
op heel de economie en heel de maatschappij af. Dat is eigenlijk een beweging die je alleen maar kan toejuichen, wat dat betreft. De volgende vraag natuurlijk is hoe wil je die gaan toepassen? Wil je dat gaan doen door op een geleidelijke manier je economie ook te laten aanpassen? Dan ga je waarschijnlijk een groot draagvlak krijgen. Dan ga je waarschijnlijk effectief een duurzame evolutie, een duurzame aanpassing van je economie krijgen. Wil je dat gaan doen door een revolutie? Door bijvoorbeeld inderdaad nu sectoren uit te sluiten en die dan maar failliet te laten gaan, want daar komt het dan eigenlijk op neer. Revoluties leven meestal niet echt lang en creëren relatief weinig duurzaam kader om in te gaan werken. Dus ik denk als je effectief duurzaamheid voor ogen hebt, dan ga je effectief de maatschappij ook de tijd moeten geven om zich aan te passen en ervoor te zorgen dat de sociale schade die je gaat creëren bij mensen niet te groot gaat zijn. Want het zijn ook voornamelijk de zwakkere lagen die schade het meest gaan voelen natuurlijk. Dus volledig eens met wat Edward zei. Dat is een evolutie die op ons afkomt. Je kan die alleen maar toejuichen. Duurzaamheid is ontzettend belangrijk. Maar je moet ook in de manier op je ze toepast duurzaam zijn. En dus mensen de tijd geven om zich aan te passen. Ik wil misschien het thema van duurzaamheid ook even doorschuiven naar Ben Granier. Een vraag die binnengekomen is gericht naar u, Ben. Kan je beweren dat beleggen duurzaam en sociaal is, indien er onvoldoende wordt rekening gehouden met duurzaamheidscriteria die te maken hebben met klimaat, met uitputting van voorraden, met grondstoffen en dergelijke? Dat kan je altijd zeggen om de heel simpele reden dat duurzaamheid een heel breed begrip is. Als je denkt aan het vroegere ESG, dan is E van environment wel degelijk belangrijk, maar evengoed de S van sociaal en de G van governance. Niet alle bedrijven kunnen op eender welke moment aan alle criteria tegemoetkomen, maar samen met de woord sustainability worden de labels in België die echt wel een thought leadership in Europa ambiëren. Houden die ook rekening met het pad dat zo'n bedrijf neemt en met de doelstellingen die meetbaar en kwantificeerbaar en binnen afzienbare tijd moeten gehaald kunnen worden. In deze, dus de topic van vandaag, lijkt het me duidelijk dat het spaargeld laten slapen op de rekening voor niemand interessant is. Dus is het alvast een duurzame zet om daar iets nuttiger mee te gaan doen. En als je dat dan nog doet via duurzame producten, ja, dan kunnen we dat inderdaad alleen maar toejuichen. Ja, dank u Ben. J'ai reçu deux questions pour monsieur Hupner. Une question très concrète et une autre plus générale. La première question, Georges, que pensez-vous des prêts participatifs avec soutien de l'État lancés par Bruno Le Maire en mars avec approbation de la Commission européenne aide d'État? La France a prévu 14 milliards à cette fin et y ajoute encore 6 milliards d'obligations subordonnées. Ça, c'est la première question assez concrète. Et la deuxième question, plus générale, est-ce que vous avez connaissance des idées qui circulent sur les cabinets ministériels pour renforcer vos idées ou pour réaliser vos idées? Oui, merci Marc pour les questions. Oui, je connais le système qui a été mis d'ailleurs assez tôt en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est plus simple et peut-être que simple is beautiful. Ça, je crois qu'on verra à l'usage ce qui est le plus efficace. L'important, je pense, dans l'idée de mobiliser l'épargne, c'est de lui donner une véritable alternative. Donc, si effectivement les gens sont assez matures pour rentrer dans le cadre de prêt participatif, c'est-à-dire avec évidemment une liquidité qui est beaucoup plus faible. Avec peut-être aussi une certaine partie de leur capital qui est à risque. Et si c'est quelque chose qui permet de canaliser les fonds nécessaires vers les entreprises, pourquoi pas? Je ne prétends pas avoir le monopole des bonnes idées, loin de là. Et toute bonne idée qui peut aller dans le sens de renforcer la solidarité des entreprises est bonne. Et je pense que les différents gouvernements ont différentes idées et différentes manière de mobiliser l'épargne. Et ça m'amène à la deuxième question. De toute façon, je pense que toutes les idées qui ont été exposées, d'une manière ou d'une autre, dans l'année qui vient de s'écouler, ont été mises à disposition des pouvoirs publics.
la mienne y compris. Donc c'est clair qu'il y a, une conscientisation de ce qui est possible. Et j'espère simplement, je pense que c'est une question évidemment de prendre des risques. Hein. Chercher à mobiliser des milliards, voire des dizaines de milliards, c'est beaucoup plus que quelques centaines de millions comme la plupart des propositions qui ont été faites aujourd'hui ont émergé. Donc il faut savoir prendre le risque d'aller jusqu'au bout de la logique. Et si une logique plus simple et plus pertinente que celle que j'ai proposée, moi je serai le plus heureux des hommes si mon économie se redresse et si en tant que citoyen, je vois qu'on arrive à effectivement boucher le trou entre l'épargne publique et les besoins des entreprises. C'est tout ce que je demande. Merci Georges. Merci Georges. Dames en heren, ik wil de tijdsduur toch respecteren van onze webinars. Ik denk dat het belangrijk is dat wij aangekondigd hebben dat wij om 14:30 zouden stoppen. We zijn 5 minuutjes in retard, maar ik zou dit bijzonder interessante webinar toch willen besluiten. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant finaliser ce webinar qui était tellement intéressant. Je veux de toute façon remercier nos orateurs Geert, Georges, Ben et Edward. Merci pour votre participation. Ik wil ook onze geacht publiek bedanken voor hun participatie, voor de zeer vele vragen. Et je m'excuse pour toutes les questions que je n'ai pas pu traiter pendant ce webinar. Merci beaucoup et je vous vois une autre fois. Tot een volgende keer, graag bij een volgende gelegenheid voor het Belgisch Financieel Forum. Dank u wel en tot ziens. Dank u wel.